all to stay calm and listen. Sommes assiégés! Vous allez se replier, mais il faudra pas longtemps à l'ennemi pour les rattraper. Les squadrons feront à mort la marche, ce qui sécurisera une voie de repli pour nos alliés, ok? Faudra d'abord reprendre tous les camps de la base. D'accord. Des renforts ennemis sont en route. Si nous perdons ce camp, nous ne pourrons plus arrêter les impériaux. Ok. Dan? Non. Claude seul? Ok. Pourquoi seul? Je sais pas. My turn. Lock and load. I've got this. Ready anytime, sir. On va mettre Curtis, Laurent. Let's do it. I'll watch over you. Odin. Indeed. Indeed. Isn't where it ends. Not for you, and certainly not for me. Yeah, 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 yeah. Go, go, go. Arrête de faire ta tragique. Capture the enemy base and secure an escape route for our allies. Squad E, move out. Metal Gear. Allez, go. Those damn imps have gone too far. It's just fire everywhere I look. Hoffman should be able to cross through the flames safely. But foot soldiers need to avoid them at all costs. That's an inferno. You won't make it out alive. We gotta watch out for soldiers and flames, huh? Well, I know how to kill one of those. Eliminate the enemies and secure an escape route for our allies. Squad E, move out! Ils nous apprennent que le métal résiste au feu. On a un char, on peut aller par l'arrière, ça c'est bien. Soldat lancier, lancier, ça c'est quoi, c'est encore un char. Ah, pas grand chose pour le moment. Ok, moving out. Putain, le feu par contre c'est... Comac hein, waouh. Pâche. Enemy sighted. Wouhou, on est là. Ligne droite. Bienvenue. Bienvenue. On a encore un tank ici. Hein. Ça va être un problème. Ça, c'est quoi, ça? Cachemire, le veilleur. Moving out. Watch out! They're on to you. Fire! Voilà, lui nous fera pas chier. Well done. Oh, well done. Moving out. Qu'elle a fait remonter.
Est-ce que tu peux nous défoncer le tank, Riley, s'il te plaît? Trop loin. We know you're there. You can't hide for long. You can't hide forever. What are the numbers? Est-ce qu'on peut tirer sur là? Yes. Come on. Merde. On y va, Curtis. J'ai un peu peur que le tank nous défonce. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Tutoriel, les explosifs et les tirs. What? Vous pouvez détruire les obstacles sur votre chemin avec des explosifs de terrain et autres. Oh, l'infanterie ne peut pas les traverser, les terrains en feu, mais les véhicules, oui. Ok. Ah, là, là. Ok. Excusez-moi. Non, oh, on va les brûler. Come on. C'est parce qu'il n'y avait pas assez, de feu, donc on en rajoute. Je sais. On est toujours au premier tour. C'est magnifique. Bon, le seul problème qui se pose à moi, c'est le char moyen là. Leave it to me. I'll crush you. Eat this. On fait quoi, un deuxième tir, comme ça on s'en débarrasse. Leave it to me. How's that? Gotta train every day. One less bad guy. Just hold out until I make it there. C'est quoi ça là-bas, un sniper? Look before you leap. Voilà. Ça c'est un bon premier tour. Oh, tous les points d'action qu'ils ont. Aïe 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 aïe. No big deal. Lui il est pas assez intelligent. Ah, j'en connais un qui va se faire couper en deux. Pas.
si. Raz est devenu super puissant maintenant, en élite. Ouais, si pas. Non, il va pas me. Je pense pas qu'il me one shot par l'arrière. Parce que le FN a vraiment beaucoup de vie maintenant. 330, c'est quand même énorme. Mais il peut faire mal en tout cas. Il peut faire très mal. Ouais. On a qui dedans? Je me rappelle plus. Ah, c'est pas grave, on avance. Qu'est-ce qu'on fait? On se met là. Target confirmed. Aha. There. En plus, c'est un mec qui a un point d'action. Yeah. Too easy. Nice. Ouais, on a des missions hors histoire principale. On a des escarmouches, c'est juste des combats. Et après, on a des petites histoires pour certains personnages du peloton, en fait. Donc il y a quand même beaucoup à faire. Ah, du coup on est un peu loin, non? On est loin de tout. Attention all squad. I want constant update. You die here, Claude. I'll kill you. Didn't expect the ambush to work this well. Hmm. Ah, il est seul en plein milieu. Voir la carte. Pour par contre recruter, ça se fait automatiquement. C'est à chaque fois qu'on avance dans l'histoire, on récupère des nouveaux personnages. C'est pas comme XCOM où on choisit les gens qu'on recrute et tout. C'est quand même très géré par l'histoire elle-même. Ok, moving out. Claude, what are your orders? Est-ce qu'on peut te défoncer avec un canon dans la tête, s'il te plaît? Excusez-moi, monsieur. Voilà. Let's keep going. I see. They're good. Ah. Over there. Burn to death or bleed to death. You're short. On va avancer avec Raz et on va prendre Curtis sur le passage. Watch my back. They're getting desperate now. Bring it
Voilà. Target destroyed. Very good. Ah ouais. All units, report your location. Found him. Advancing. On va devoir se mettre devant eux. Non, on peut pas. Les dégâts. Hop là. Too slow. Damn it. Die. Rase est cool. No big deal. Oh wow, ok. Doucement, doucement, doucement. Oh. Ok, moving out. Fire. They might be soldiers after all. It might be soldiers after all. On va faire passer Curtis en premier. Ah ouais, merde, on peut pas l'amener avec nous. Bon. On va prendre Raz. Watch my back. Give me a report on the enemy's movement. Pom 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 pom. Pourquoi tu nous tires pas dessus? Ah, mais t'es un sniper toi. Voilà. Have been taken out. Keep calm and move. Hop, 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 hop. I'm invincible. Il est où Curtis? Il est là. I'm invincible. Donc là, on pourrait le faire stylé, genre on passe dans le feu, on arrive derrière. On sort Kai, on lui met une balle dans la tête, ou alors tu prends Curtis, tu prends le lance-grenade, et voilà. Ça marche aussi. C'est un peu plus basique, mais ça marche. Tada! Alors le jeu, j'hésite grandement, étant donné que je n'ai jamais joué à Valkyria. Ah, il faut aimer le gameplay, il faut aimer le... la stratégie et comment le gameplay se déroule. Et après, c'est un très 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 bon jeu. L'histoire est sympa, l'histoire est drôle en fait, les personnages sont drôles. Whoa, now this is a show, ladies and gentlemen. We're not late to the party, are we? Défendre pendant 4 tours à combattre. L'ennemi occupe un camp allié. Ok, cool. Ils sont où?
le Vulcan. Oh. Oh, vous avez acquis plus de PC, cool. Oh la vache. Ouais, parce que là, on a un problème, c'est Riley. Oh merde. Oh. Ah, mais Riley, elle va... Aïe, 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 quoi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Normalement, tu prends super cher, par contre. Oh. Wait, is that tank the one from Ziegfeld? I knew it. I knew we were meant to meet again. Oh, that's good. That's real good. God, what a rush! On dirait une parodie de Metal Gear. Come on, honey. We're soulmates, you and I. Let's get wild. Snake! Je voudrais bien la bouger à chaque fois un peu, mais le problème c'est qu'il y a des grenadiers. Alors là-bas il y a des lanciers, et là il y a les deux grenadiers. Je sais pas si elle est à portée en fait des grenadiers, je dirais. Je dirais non. Non, je dirais non, c'est pour ça qu'il lui tire pas dessus, ça va. En fait elle est super bien placée au final. Hop là! I think it's time we head our separate ways, honey. Gentlemen's gotta know when to pull out. We'll meet again, Snake! Oh, but we'll have more time together soon. You can count. Cut him! They might be soldiers after all! Alors. Burn to death or bleed to death! Ah, il va falloir la sauver. Yep, I'm on it. Du coup, demi-tour. Watch out for counter-attack. Bah, ils savent pas tirer, donc ça va. Bonjour. Ah, joli casque. Regardez-moi comme elle est sexy, elle. Là, j'avais même pas vu, elle a une bandoulière de munitions sur la jambe. Mais elle a un putain de cul. J'arrive, Riley. J'arrive. Est-ce qu'on pourrait les tuer en un tour? Advancing. On va voir. Visons la tête. Pom 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 pom. Kill confirmed. Not bad out there. Ils ont bossé pour les mouvements du personnage. Toi, tu dois avoir encore quoi?
2 balles. Moving out. Une balle. There. Advancing. Right there. Et bah voilà, on a défoncé tout le monde. Au final, c'est Riley qui a vraiment rendu la chose simple. Hein. Putain, elle était tellement bien placée, c'est abusé. C'était magnifique, elle était placée au milieu, mais elle était à pas à portée des grenadiers, elle était à portée du tank, c'est parfait. Salut Avari, bienvenue. Mission complete, everyone. Now it's our turn to fall back. Tanks, cover the infantry. Infantry, run like the wind. Easy, huh? Oh la vache. So it's squad E. You sure showed me a good time. On t'a défoncé en un tour. But it's my turn next, and I'll find a way. I'll make you fall for me. You're all mine now, so. Wow. Tu veux pas l'appeler Brother aussi? Yeah. C'est quoi ça? Un mortier? Ah, on a un nouveau mortier, c'est cool. Petite question, je trouve le jeu comment? Super, super, c'est juste... HQ sent you something nice as a reward. Je m'attendais à ça. Histoire avec des personnages, c'est drôle quoi. Thème de la guerre, mais les personnages sont cool, intéressants et c'est assez marrant quoi. Et bonne stratégie dans le gameplay. Très bon jeu, il est à la hauteur de son nom. Wow, on a plein de trucs. Allons voir. Merde. Et le jeu dure longtemps, il y a quand même beaucoup de chapitres, il y a beaucoup de missions. Après, je suppose qu'il y a un mode difficile aussi. En tout cas, j'espère. C'est le jeu qu'on attend de la licence. Voilà, c'est ça, c'est vrai. C'est vraiment le jeu. Okay. Tu sais dans quoi tu t'embarques, en fait. Et t'es pas déçu. Alors, on a un Galion... X1R. Ah, c'est pour ça que Curtis il avait du mal à la porter. Effet défense moins, ça veut dire quoi ça? Ah, on va voir, on va prendre ça à la place. Avec ce style de jeu, il y a toujours un niveau difficile. Ouais, je pense aussi, ouais, je suis quasiment sûr. Par contre, on a un nouveau... non... Riley. Alors, c'est quoi ça? Portée 450... 380 antipersonnel. Ouh. Pas mal. Mais bon, nous, on est anti-tank. Ah, du coup, ça réduit sa défense, je pense. C'est emmerdant.
Avary, très bon jeu. Très très bon jeu de stratégie avec une bonne histoire. Moins 10 défense anti-personnel et anti-blindage plus 6. Oh, on va mettre ça, je pense. Je pense. On fera plus de dégâts. There. Entraînement. Good to see you again, Claude. Let's get them. Alors. Now show. Yeah, yeah, yeah. Show me. Qu'est-ce qu'on augmente quoi? Les lanciers on avait... Non, les snipers on avait dit. On va faire que les snipers. You've leveled up, so... Come... On a gagné tellement d'expérience sur cette partie. C'est 50k je crois, c'est énorme. Allez. Minerva, arrête de me parler à chaque fois. You leveled up, so to speak. On va voir ce qu'on débloque avec les snipers. Ah. Just do it. Ah. You've leveled up, so to... Snipers have been promoted to sniper elites. You're sniper now elite. For interception fire. Good luck out there. Oh. Équipement d'interception, c'est-à-dire qu'ils peuvent tirer si quelqu'un passe devant eux. Ah, cool, cool, cool. Je pense qu'on va faire grenadier suivant. You're not done yet. You've left. You're not. Donc par exemple, Raz. Et Kai vont faire un très bon duo parce que les deux vont tirer. Faut que je regarde les ordres que j'ai récupérés. J'ai même pas fait gaffe. Ça m'étonnerait qu'on ait des trucs. Oh, si. Oh, 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 oh. Oh, c'est l'anti-blindage, on a la version 2, cool. Ça, ça tue. Riley va être utile contre les tanks. Ah oui, après on nous a dit qu'on avait récupéré des... une armure, je crois. Une tenue, il faudra qu'on regarde. Très bien. On a plus de vie. Yeah, on peut transporter 3 personnes. Ah, mais ça tue ça. Wow,
Ah, on a du bon matos. On va juste regarder la tenue vite fait, puis après on continue avec l'histoire. C'était quoi qu'on a... Ah, c'est ça. Morceau de blindage récupéré suite à la destruction d'un char léger, plus 10 en anti-blindage. Aileen, des PV en plus, parfait. On va casser des fesses. Combien de classes différentes de soldats? 6, je crois. Les assauts, scouts, lanciers, grenadiers. Sniper. Huh? We already caught up to the others? 5 et après il y a les véhicules en fait. We haven't even been going that fast. I have a lot of wounded and the cold doesn't help. It's no wonder they're moving slowly. Claude, we just received a transmission. All units that fought in the Battle of Zeke'Fall were counterattacked by the Empire. It sounds like everyone except us was completely routed. Our entire battalion routed? Is it safe to take this path? Aren't the Imperials just going to chase us down? Ah, ça, on est dans le moment dramatique. Ça y est. I don't know. All I can say for sure is that we've been put on the defensive. You can't be serious. One loss was enough for them to take it all back. October 1935 EC. The insidious chill of winter arrived far earlier than usual in the north. Caught between the cold and a vicious counterattack from the Empire, Operation Northern Cross fell apart. The Edinburgh Army was routed. The soldiers who survived were forced to scatter as they fled, freezing, hungry, and bitter. And the once hopeful Federation had been driven into a cold, dark corner. Oh. C'est triste. On est vraiment dans le moment dramatique et triste. Where are we walking anyway? We haven't had a break since morning. I don't know how much more I can take. Merci pour le follow, Ava. Et bienvenue. This is strange. Aren't they going the wrong way? I thought we were heading back to Einhemd. That's south, right? But the troops are heading west. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bypassing all major roads. Einhemd has already been reclaimed by the Empire. Our goal is 150 kilometers west of here. 150 kilometers west? But that's on the Empire's coast, isn't it? This is a direct order from General Edmonds at HQ. Once there, we'll be given new orders. That's all we can tell you. All radio communication is now prohibited, with HQ or even other squads. If we're heading west,
That means going over the mountains. The snow has to be piling up. I don't know if we can make it with our current equipment. They tell me this operation is critical if we want to regain our footing in the war. With the rest of the army routed, you're the only ones left who can still mobilize. Command knows these conditions aren't ideal, but they're counting on you. Commander. Understood. Godspeed. Godspeed! Hey, look. Einhem's clock tower is getting farther away. Ah, mon dieu. Arrête. Arrête de... Man, wish I'd save some of that jerky. Ouais, vous aurez dû... Ouais, fallait garder des réserves. Putain, mais... Wait. What's that over there? Ils sont drôles, tous. Ooh. Oh, just a scarecrow, huh? No, that's... Riley, don't look. Il écrit quoi? What? J'arrive pas à lire d'ici. That's the old man from Hart's shop. Ah, c'est celui-là qui nous vendait les pièces de tank. I betray my country for scrap. I made an example out of him. Nobody's going to risk supplying the Federation now. C'est marrant parce que c'est ce que j'étais en train de dire. Le mec, il vend des pièces de son armée, de son pays, de l'Empire, aux ennemis. Donc c'est trahison contre ton pays et c'est peine de mort, quoi. Enfin, en temps de guerre, en temps de guerre. Logique. They'll kill whoever they want just to make a point. Same shit they've always pulled. They want to make examples out of people? Fine. I'm gonna do the same damn thing to them. Raz! War makes you forget the value of life. That's true for us and them. Don't give in to hate, but don't turn your eyes away from this either. This is why we're fighting the Empire. We're gonna make sure tragedies like this can't happen again. I won't. I'll never forget this. Chapter 7, A March in the Snow. Enfin, pour moi, je trouve ça un peu normal. Je trouve ça complètement normal ce qui se passe. Ah, c'est vrai qu'on peut aller lire la presse aussi. Je l'ai pas fait encore. Faudra aller voir ça. Lieutenant Colonel Vault, sir. Reporting in. Hmm? The scouts just got back from Einhem. There's no sign of any Federation soldiers stopping by since the Battle of Siegfall. Really? I figured they'd be aching for some new supplies by now. Well, we have been pursuing them. Maybe they went straight past the city. Or maybe they crossed the mountains to the west. In their tanks, sir? That would just slow them down, wouldn't it? They could always abandon them if they're in a hurry. If their drivers are good, it's not impossible. Then should we head to the mountains? But HQ's orders are to march south. You're still listening to them. We're Ausbruch, my friend. They know they can't tame us. But we can't keep disobeying all our orders. They'll look the other way. They need me too much. Il se la pète pas, lui, c'est bien. Il se la pète pas du tout. Besides, a man's no good if he lets a lover give him the slip. So, let's pick up the chase. Yes, sir! Won't be long now, so wait. Donc il se met après nous, il va nous poursuivre. Cool. On s'est fait un ennemi. Un ennemi qui est passionné par le combat. We've been marching along this mountain road without any semblance of cold weather equipment.
It's cold, treacherous, and exhausting. Our formation's been broken for a while. We had a couple soldiers collapse. They're only walking now, with support from their friends. But everyone can feel it in the air. Sooner or later, we're gonna start losing people. Je suis déjà étonné que vous en perdez pas maintenant. All we can do is keep moving forward. Anything to fend off frostbite. To stay alive. No one speaks. The silence is deafening. Bon, il y a sûrement quelque chose qui va arriver parce que là c'est trop déprimant. C'est pas normal, dans le jeu, il y a pas... Quand il y a un truc déprimant, deux minutes après, il y a un truc con qui arrive. C'est pas logique. Ah, avec cette musique, ça me rappelle Alien 2, cette musique, je sais pas pourquoi. Riley! Are you okay? Sorry. Guess I tripped on... Riley. T'es froid avec ta jupe? She's exhausted. It's starting to get to her. I've got to take her mind off it somehow. Oh yeah. Miles, isn't your hometown in the mountains? Yeah. We only got snow every now and then. But I'm used to mountain roads like this. Hometown. I've never been to your region myself, so I don't know much about Hoffen. But we rely on the Hoffen as a tank, right? So, the name Hoffen kind of feels like home to me too at this point. Say that again after you've been there. It's a boring, cramped armpit in the middle of nowhere. Everything closes at 10 goddamn PM, and the women, oh man, they go right for the throat. Funny. I remember people singing songs about how beautiful and gentle Hoffen women are. I tell ya. Yeah. Hoffen women. Got it. You know, I've been thinking I want to rebuild the Miller Company in Hoffen someday. The factory up and running with a mansion next door. That was the dream for a blue-collar family like us. All right, and you can be factory manager, Claude. Huh? Hey, hold on. What? Too good to work in my factory? Is that it? No, that's not what I meant. I'm just not very good with machines. Voilà, là ils viennent d'oublier que leurs camarades sont en train de crever de froid derrière eux. Tout va bien. Don't worry. You can leave the mechanical side to me. I'll be the badass foreman. Obviously. And if any jokers get out of line, I'll whip them back into shape. I'll bake. There's an oven there for the Ragnite after all. T'as qu'à faire du pain. Sounds good. I'd be glad to have you all. Miche de pain. Alright, now I got a job lined up after I leave the army. No one goes hungry at the Miller Company. I hope I get to visit Hoffen soon. It won't be too much longer. Once the war's over and things are back to normal. Aha! Attack! Damn it! They're still following us? Can't get in touch with any squads ahead or behind us. Everyone's engaged with the enemy. We're cut off! C'est Liquid Snake qui nous poursuit. Everyone, just calm down. They want us to panic. Squad E, prepare to intercept. Yes! Yes! C'est l'autre fou, il nous a rejoint, ça y est.